Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre émission culturelle du vendredi. Et ce soir, nous recevons un cuisinier itinérant dans une structure culturelle mobile. Il s'agit de Stéphane, le cuisinier du chapiteau. Sommaire. Cela fait un an que le chapiteau de Nouvelle-Calédonie s'est doté d'un cuisinier. Stéphane Filimoué-Ala sera avec nous ce soir pour nous parler de culture culinaire, mais pas seulement. Dans une seconde partie, nous recevrons Myriam Sarg qui viendra nous parler du prochain magazine inédit d'Entre Terre et Mer, une émission consacrée à la météo. Mais tout de suite, je vous propose de regarder cette petite vidéo au chapiteau. Vidéo. Cette semaine, nous nous sommes rendus au chapiteau pour vous faire découvrir les coulisses d'un spectacle un peu particulier, celle de la cuisine de Stéphane, car le chapiteau s'est doté depuis un an d'un cuisinier attitré. Le challenge chaque jour au chapiteau, c'est de cuisiner pour, comme d'habitude, les artistes et surtout les techniciens, avec un menu basé essentiellement sur des produits locaux, que ce soit viande, poisson, légumes. On a une base fixe, à peu près 25-30 personnes, donc techniciens, artistes confondus, puis ça dépend en fait aussi des mouvements, il y en a qui partent, qui restent, et en général avec le public, selon la fréquentation, ça peut monter jusqu'à 80 personnes. Donc qui reste quand même une bonne masse de personnes qui viennent manger. Donc il faut derrière s'approvisionner, s'assurer. Disons que tous les jours, il faut essayer d'innover aussi, de ne pas leur donner toujours des plats quotidiens monotones. Donc on va essayer encore plus de travailler sur la diversité. Voilà, on est à l'épicerie du coin. Du coup, vous voyez sur les étals tous ces produits de qualité, frais. Et tous les concombres, les ignames, les taros, les ananas, les oignons, les petites butanotes. Voilà, ça c'est la bonne pastèque bio. Et tous les produits là, ils viennent tous des alentours sur vous. Donc l'avantage justement, comme je disais, c'est d'avoir des produits locaux à proximité et puis de qualité quoi. Voilà les ignames, les citrouilles. Ça, ouais, on va faire des bons petits trucs avec, quoi. Stéphane doit donc tout au long de l'année s'adapter aux produits de saison selon les escales du chapiteau. Mais il favorise le circuit court tant qu'il peut et s'approvisionne d'habitude directement chez le producteur. C'est bon ça. Ah ! Eh ben, ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Alors, qu'est-ce que tu nous ramènes de beau ? Eh ben, les petits produits du jardin. Ah ouais ? Oh, cool. Ouais, il n'y a pas grand-chose, mais il y a trois trucs. Maintenant, j'ai mon petit réseau. Là. Les gens, à force de venir, on se re-rencontre et puis il y a plus de facilité. À l'époque, j'étais obligé d'aller vraiment vers les gens, chez eux, chercher. Et là, la différence maintenant, c'est un peu comme un système de livraison. Ils arrivent et tout, ils m'appellent. Oh, j'ai des légumes pour toi. Et tout de suite, j'ai les provisions qui arrivent au chapiteau. Quoi. Bah, super. Et du coup, ça se cuisine comme des haricots ou... C'est entre la lentille et le pois chiche. Ah, d'accord. Tu peux faire du houmous. Du houmous avec, hein. Ouh, peut-être des falafels aussi, non? Ouais, là, bon, écoute, on va essayer ça demain. Alors, j'en suis arrivé en fait à cuisiner parce que bon, j'étais étudiant à Marseille en musique. Et puis par la suite, j'ai monté un petit groupe de musique et on est parti en Allemagne où on a enregistré un album. Et comme en fait en musique, c'est assez difficile de gagner sa vie. Et régulièrement, j'ai dû m'adapter et bosser en cuisine. Et j'ai commencé à faire les saisons en France, d'hiver, d'été. Et par la suite, en fait, je me suis pris de passion pour la cuisine. J'avais déjà pas mal de compétences par rapport à mon père, qui est lui, de culture mélanésienne, savait déjà bien cuisiner. Et ma mère, qui est d'Alsace. Donc tout ce petit mélange a fait que la cuisine, pour moi, était en fait assez facile à faire. Et donc par la suite, en Allemagne, j'ai travaillé en brigade. J'étais en brigade avec 40-50 cuistots et ça a duré peut-être pendant 5-6 ans où on m'a forgé, on m'a formé sur les conditions de travail jusqu'à quand j'en suis en fait arrivé au poste de chef par la suite. Et j'ai fait mon combat contre Nouvelle-Calédonie, voilà, en 2019 où j'ai commencé à travailler en tant que chef et puis par la suite au chapiteau. Ouais. Pour Stéphane, il va sans dire qu'un repas bien cuisiné, c'est comme un spectacle bien réalisé. Salut Stéphane, bienvenue chez nous. Hey, bonsoir. Alors dis-nous, comment ça va? Ça va super, écoute. On vient de voir ce petit reportage, un cuisinier itinérant dans une structure mobile en Nouvelle-Calédonie, c'est nouveau, non? Il me semble que oui. Donc auparavant, je n'avais pas vu ça. Et ça a l'air d'être une première, et ce qui me réjouit vraiment, quoi.
C'est assez extra parce qu'en fait, toi, tu cuisines, finalement, tu cuisines dans chaque commune du pays. Voilà, chacun plante où on peut en fait s'installer. Donc, ce qui fait justement la diversité et aussi le challenge d'aller et de cuisiner un peu partout avec des produits différents, quoi. Ok, du coup, d'une certaine façon, la vie d'artiste entre l'Allemagne et le Caillou continue. Tu es toujours en tournée avec le chapiteau, ça s'arrête jamais. Toujours en tournée, que ce soit devant ou derrière les projecteurs. Derrière les projecteurs aussi, évidemment. On a parlé de ton métissage dans l'émission, c'est un double héritage culinaire, on peut dire ça? On peut dire ça, oui. Oui. Donc maman française et papa mélanésien. Et donc avec cette double culture, disons que ça m'a apporté pas mal en fait sur... le côté gastronomique français et la culture gastronomique, enfin culinaire, mélanésienne. Océanienne. Aussi, plus largement. Voilà. Ça fait des bases solides pour commencer dans ce... Bah, disons qu'on sait de quoi on parle quand on cuisine l'igname ou le taro. Donc, ce n'est pas des produits méconnus, disons. Mais on a, avec l'apport technique, justement, de la cuisine gastronomique française, ça donne une facilité et une diversité, en fait, plus grande. Tu revisites souvent les plats, c'est un petit peu quelque chose qui t'anime aussi Oui, disons que c'est aussi un amusement. C'est pour aussi me prouver à moi-même qu'on peut toujours aller dans la diversité, donc qu'il n'y ait pas des choses sur lesquelles on peut buter. Donc toujours progresser. Du coup, pour revenir sur le reportage, là, tu arrives en Allemagne, la cuisine, elle t'aide à gagner ta vie d'une certaine façon. C'est ça. Est-ce qu'elle t'aide à t'intégrer aussi? Elle m'aide à m'intégrer forcément. D'une part, dans un pays étranger où on ne maîtrise pas la langue, il reste l'anglais. L'anglais qui devient en fait la langue médiatrice au départ. Okay. Et après, plus pointu, donc la langue allemande que j'ai apprise sur le tas, en cuisine. Cuisine. Ça a commencé avec tout le champ lexical de la cuisine. Donc, ça devait être compliqué ça, non? Très compliqué. Très compliqué pour se faire intégrer en plus et se faire comprendre, parce que la communication est hyper importante. Ouais. Et quelque chose que si on n'arrive pas à se faire comprendre en cuisine, on est vite mis de côté. Est-ce que cet héritage culinaire océanien, il t'a servi là-bas dans ton intégration? Oui, surtout sur les goûts, en tout cas. Ouais. Donc ça a tiraillé un peu les palais de certains, que je rajoute cette touche exotique, qui a fait que justement j'ai pu à chaque fois obtenir des postes un peu plus importants, donc à travailler sur les goûts, les couleurs en général. Voilà. Tout ça, ouais, c'est... Tout ça, ouais. C'est un peu le bagage, c'est l'histoire. Ok. Voilà. Dis-nous un petit peu, tu passes pas par une école, hein, tu... Je suis autodidacte. Tu es autodidacte. Ouais. Donc tu apprends vraiment dans les cuisines en Allemagne, à Berlin? J'apprends d'abord au départ en France. Ouais. J'étais à Saint-Marc-Jaume-Garde, une ville à côté d'Aix-en-Provence. D'accord. Où j'ai commencé justement mes classes en saison. Donc plongeur, commis, et après aide-cuisine, et petit à petit, la base, quoi. On est obligé de passer par là, j'imagine. Disons que non, c'est juste que c'était un parcours qui m'est tombé comme ça. Donc aussi faire des formations pizzaïolo, boulangerie. Donc ça a été ce qu'il y avait, ce qu'on me proposait, quoi. Et c'est pour ça que maintenant, j'en arrive à un moment où je me dis, ouais, quand même, je suis passé par pas mal d'étapes, pas mal de postes, pas mal de formations et qui ont fait que jusqu'à maintenant, j'ai un peu, disons, tout démystifié. On voit tes plats là, ce que tu fais justement, ce que tu as fait en Allemagne. C'est ça. C'est une culture culinaire européenne différente que tu connaissais ou pas? Disons que non. Là, après, je me suis un peu laissé. Par exemple, là, il y a le pomoto, donc je suis un peu parti dans ce que j'aimais faire. Ok. Toujours inspiré en fait de plats traditionnels français, comme le chèvre chaud et tout, mais revisité. Là, bon, une salade améliorée avec pas mal de choses. Donc là, le pomoto, donc une trilogie de pommes de terre, patates, betteraves. C'est haut en couleur, en tout cas. Voilà, donc c'était le but. Là, c'était justement dans un club assez réputé de Berlin où la clientèle était, disons, assez demandante sur une cuisine neuve, fraîche, surtout. Donc, comme on peut le voir avec les images... C'est des grands établissements, dis-moi. Oui, oui, la capacité, c'était 3000 mètres carrés. Donc je faisais des repas pour environ 100 personnes, bookées chaque soir. Ah ouais? Oui, avec 7 courses. Donc c'était beaucoup de boulot, mais derrière, voilà, le résultat. Combien de temps à Berlin pour faire ce parcours-là? En tout et pour tout, avec la musique et la cuisine, 12 ans. 12 ans à Berlin? 12 ans. Ok, et justement, on va rebondir sur la musique, parce que parallèlement, tu réalises un rêve, j'imagine. Oui. C'est de monter ton groupe depuis la France. C'est ça. Et vous allez à Berlin. Et c'est une note de tes passions, la musique?
Ça a été depuis petit, quoi. Je suis né avec une guitare dans les mains et puis le côté jovial des îles, à chanter à droite, à gauche. Et par là, bah, j'ai rencontré bah, mes confrères du groupe, hein. Ouais. Le leader qui est de Guadeloupe, un des claviéristes qui vient de Réunion, donc ça a été une belle rencontre. Ah ouais. Et puis on a pu échanger, et puis justement, petit à petit, former ce groupe, et on s'est tous motivés en se disant, bah, pourquoi pas Berlin. Là aussi, c'est haut en couleur, hein. Oui, 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 c'est le but. Quand on voit ça, là. Ouais. Du coup, on a une petite vidéo, hein, qu'on a sélectionnée quand même pour parler de cette autre passion, la musique, que oui. Je vous propose de regarder tout de suite, et ça se passe en Allemagne, c'est le groupe Isaiah, si je ne me trompe. Voilà, c'est ça. Vidéo. Let's go! Peace! Ja. Und danach zwischen jedem Kurs, Matière, wir hatten ein bisschen gespielt zusammen so und dann habe ich Gerald getroffen in einem Park. I don't care about the rest. I rock, I rhyme, I sing, I rap, I'm tired being classified. So I do mine, don't ask why my recipe's fine. I beat the ground, knowing my past, knowing my life, I'm ready to last. I concentrate to shut it, shut it out. You bring me to the mouth. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça envoie. Hein. Oui, oui, oui. C'est pas un groupe traditionnel océanien. Non, non, disons que ça a été un peu la fusion un peu de tout, toutes les cultures de chacun. Donc, comme vous pouvez le voir, le raga muffin, raga électro. Dancehall, électro, avec pas mal d'influences. Dubstep derrière. Dubstep. Mais instrumental, quoi. Instrumental, oui. Donc, Et alors, ça marche, Isaiah, en Allemagne, ça... Ça a beaucoup marché, oui. Ouais, oui, oui. Donc, okay. Surtout pour les festivals donc électro, on était ouais. Plus un groupe qui se positionnait entre des DJ, donc qui était un peu hors du commun, et qui donnait une dynamique un peu plus importante, du coup, par la suite, quoi. Ça a dû être une expérience assez extraordinaire, quand même. Magnifique. Magnifique, magnifique. Hein. Et on t'a même entendu parler allemand, mais quel... Oui, bon, bah là, c'était vraiment c'était à mes débuts. Hein. Ah, c'était les débuts. Le tout début, j'hésitais, mais j'essayais. Ouais, mais c'est bien, ouais. Ce petit accent Frenchy. Ouais, Frenchy, ouais, même trop Frenchy. Trop Frenchy, ouais. En tout cas, ça déménage. Hein. Revenons maintenant à la cuisine. Toi, tu passes du coup des cuisines européennes à la cuisine ambulante du chapiteau. Oui. Ça fait un sacré changement. Ouais, disons, bah oui. Y a toute cette infrastructure qui change, ouais. Qui est mobile. On n'a plus les mêmes avantages et aussi normes, on va dire, pour cuisiner. Donc toujours, tout est fait plus ou moins en impro sur le tas, de façon en fait à s'adapter au mieux au mouvement. Donc par exemple, cette session, il y a eu des intempéries. Comment cuisiner quand il pleut, sachant que la cuisine ah ouais. N'est pas montée. Bah oui. Donc il faut s'adapter, donc essayer de trouver à force une solution. Je voudrais rebondir sur autre chose, le chapiteau, et laisse petit à petit la place aussi à la culture culinaire, qui se fait doucement sa place. Je pense au repas... Au repas de plateau, oui, plateau resto. Au repas plateau. Tu peux nous parler un petit peu de ce concept ? Oui, alors le concept a été créé par Quentin. Donc l'objectif, c'est de faire venir... le public au plus près des artistes en partageant un repas. Donc, okay. Ce repas aussi, dans cet repas, il y a un échange où les artistes se présentent, parlent justement de leur art et à l'inverse, le public parle d'eux-mêmes aussi. Donc, le public peut manger avec les artistes. Avec les artistes, voilà, se rencontrer. C'est excellent. Ouais. Et le prochain rendez-vous, c'est jeudi prochain. Prochain, à voilà. Vous. À vous. Au chapiteau. Voilà. Ok. Steph, on a fait un petit peu le tour. Oui. On est arrivé un petit peu à la fin de l'émission avec toi. Merci d'être venu. Merci aussi. D'avoir partagé ce petit moment merci, avec nous. Merci de m'avoir invité. Eh bien, de rien. Et on va quand même préciser qu'au chapiteau, si vous êtes du côté de Vaud ce soir, du coup à 19h, dans un instant, il y a, vous pouvez retrouver le spectacle sous le chapiteau de Nouvelle-Calédonie, le spectacle intitulé Ouf de la compagnie Crunk. Donc maintenant à 19h. Et si jamais vous n'avez pas le temps ce soir, demain soir.
Vous pouvez encore retrouver cette programmation ainsi qu'un autre spectacle de danse aérienne, cette fois-ci intitulé Ilma, de la compagnie qui balance ce samedi à 18h, à Vaux, n'oubliez pas. Et maintenant, je vous propose de découvrir ensemble le magazine inédit ce week-end, Entre Terre et Mer. Jingle. Et c'est le retour dans nos plateaux de Myriam Sarg, la présentatrice d'Entre Terre et Mer, qui va nous rejoindre pour nous présenter ce nouveau numéro. Extrait. Ah, si Arum, il les voit pas mal, ouais. Arum, il les voit bien. Parle de quoi, là ? Bah, pour aujourd'hui, les Cyrus, là, qui gagnent. Ah oui, Cyrus. Ouais. Je regarde juste un petit coup, quoi. C'est pas mal parce qu'on voit que, on voit aussi le vent avec la mer, on voit que le vent est rentré là. Mais c'est vrai que ce matin, c'était hyper humide, hein. En scooter, là, on voyait bien, il y a une rosée pas possible, quoi. Vraiment hyper humide. Il y a les nuages tout fins, là, qu'on voit, qui sont un peu en filament. Ça, c'est des nuages qui sont très hauts, c'est des cirrus. Ils sont très hauts, c'est des nuages de glace, hein. Ils sont à 10-15 km d'altitude. Et c'est ceux-là qui, petit à petit, vont envahir le ciel aujourd'hui et demain. C'est intéressant pour moi parce que moi, je les vois là, puis je les vois aussi sur l'image SAT, qui commence à rentrer. Puis avec les modèles, on voit que petit à petit, ça va s'épaissir. Et puis par contre, là, ceux qui sont sur le Mont d'Or, sur l'extrême sud, là, c'est vraiment des nuages de basse couche, quoi. C'est cumulus, stratocumulus. Donc c'est ceux-là qui peuvent donner des petites averses. Souvent vers IAT, sur l'extrême sud le matin. Et bonsoir Myriam et bienvenue parmi nous. Salut tout le monde. Alors comment est-ce que tu vas? Oh bah super, toujours au taquet moi. Écoutez là-dessus, la forme est au rendez-vous. Ok, alors raconte-nous un petit peu, là on vient de voir quelques images, un extrait du magazine de ce week-end, Entre Terre et Mer. Qu'est-ce qu'on va vraiment découvrir dans ce magazine? Alors eh bien, on a eu la chance, Mathieu, d'aller découvrir la station météo Nouvelle-Calédonie Wallis et Futuna, parce que c'est un même réseau, du côté de Faubourg Blanchot. Donc c'est en plein centre de Nouméa, c'est la station météorologique de référence en Nouvelle-Calédonie. Et du coup, les équipes de permanence nous ont ouvert leurs portes, ce qui était fascinant, très intéressant. On a découvert un métier complètement, en tout cas en l'observant dans les grandes lignes. Et c'est très très intéressant. Vraiment, ça nous change de ce qu'on peut connaître au niveau de la météo. On se rend compte que bien, l'organe de la vue est plus qu'important, puisqu'ils sont toujours toute la journée en train de scruter ce qui va éventuellement se passer au niveau climatique pour nous prévenir. Et puis, ce sont des équipes hein, qui se relaient 24 heures sur 24, avec la possibilité de dormir sur place. Vraiment, il y a une espèce de roulement comme ça, très très intéressant. Les gens commencent tôt, finissent souvent tard. Et on est vraiment sur des compétences formidables et puis profondément intéressantes, surtout. Ouais, c'est vrai que c'est marrant parce que votre personnage, on le voit arriver et en fait, simplement par la vue, comme une sentinelle, il se met d'abord à regarder simplement le temps qu'il fait, quoi. Et oui. Enfin, un grand sens de l'observation. Et dis-nous un petit peu, alors ce qu'on va découvrir finalement, c'est le cœur de la station météo, c'est une sorte de coulisse en fait. Absolument. On va découvrir le cœur de la station météo. On va se rendre compte de comment est-ce que ces ingénieurs et techniciens travaillent au sein de cette même station. Quels sont leurs points de référence pour pouvoir établir des bulletins. Quelles sont aussi les ambiances dans lesquelles ils travaillent, qui sont très particulières. C'est un travail profondément méticuleux, avec beaucoup de calculs, j'imagine, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Et ça mérite le coup d'œil parce que c'est un nouvel univers. Et puis c'est très intéressant de savoir comment on établit les bulletins météorologiques qu'on peut retrouver sur le site de www.meteo.nc. Alors dis-nous, c'est un peu une année particulière pour la météo là, parce que est-ce que c'est une année plus propice à faire ce genre de reportage? On a eu des cyclones, il y a la Niña, on parle du changement climatique assez souvent à la télé. Alors, je ne sais pas s'il y a des moments plus propices que d'autres, mais c'est vrai que le Calédonien en général s'interroge hein, sur les conditions météorologiques. Entre une arrivée de cyclone, entre une dépression, entre un anticyclone, et puis bon, on a beaucoup de marins autour de nous, donc c'est normal qu'on soit très concerné par le temps, par le climat en général.
Et du coup, non, c'est normal qu'on soit sur ce genre de sujet-là. Je pense que c'est intéressant aussi d'informer le grand public, sachant que je vous invite à regarder cette émission pour ceux que ça intéresse, parce qu'il y a des sensibilisations justement au grand public avec des stages, des choses qui sont un peu plus pointues pour qu'on connaisse un petit peu mieux les tenants aboutissants d'une météo, comment ne serait-ce que la décrypter ou même la regarder, qu'est-ce qu'on est censé comprendre quand on ouvre un site de météorologie et voilà, quels sont les points clés en fait, hein, à ne pas manquer pour pouvoir être sûr de ses calculs quand on sort en mer. Super, eh ben, écoute, merci beaucoup Myriam pour ce compte rendu assez détaillé. Eh ben, notre émission arrive à sa fin, je te remercie de nous avoir rejoint et je te souhaite écoute, un bon week-end. Ben merci, vous aussi, merci de penser à moi et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain Entre Terre et Mer. À très bientôt Myriam. Et n'oubliez pas que votre émission Entre Terre et Mer, c'est ce samedi à 18h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos émissions sur caledonia.nc. Et maintenant, nous recevons Stéphanie Marlier pour les idées sorties. Jingle. Bonsoir Mathieu. Salut Steph. Alors, au menu pour mes idées sorties de ce week-end, mais aussi pour le prochain, donc je vous propose de découvrir deux... Tac, je vous ai montré avant l'heure. Ah. Donc, deux pratiques ludiques qui ont le vent en poupe et qui vont stimuler donc, votre créativité. Donc, la première, donc, c'est le crochet, une pratique qui séduit toutes les générations. Et oui, le crochet de nos grands-mères donc, revient en force. Donc là, on voit, hein, c'est... ce qu'on mange en fait, donc d'accord. On peut faire pas mal de choses. Et puis il y a aussi la seconde, c'est le macramé, donc un ensemble de nœuds et de motifs géométriques. Ouais. Et j'avais enfin envie de vous parler d'un autre atelier, donc c'est un atelier plutôt cosmétique, pas comme les autres. C'est un atelier durant lequel donc, vous pourrez aussi faire un geste donc, pour la planète. Alors on va commencer avec le crochet et le macramé. Donc si ce samedi 15 mai vous êtes du côté du Grand Sud, donc vous avez envie donc, de découvrir donc, ces deux ateliers donc ludique, donc ces deux pratiques, donc le crochet et le macramé, eh bien sachez que les petites mailles de Calédonie vous donnent rendez-vous à l'office du tourisme du Grand Sud de 10h à 16h pour un atelier crochet, un atelier dans lequel vous pourrez par exemple réaliser donc des tapis, des dessous de plats, mais également donc des sacs, donc jolis sacs de course. Magnifique. Donc c'est un atelier que donc vous n'avez pas besoin de vous inscrire et en plus c'est gratuit. On peut apprendre alors. Voilà. L'autre atelier, donc c'est, si j'ai pas fini, je voulais aussi vous dire que c'est un atelier pour tous, hommes et femmes, donc confondus, parce qu'il y a des hommes qui adorent les crochets, comme ces stars, donc Antonio Banderas et puis Russell Crowe. Ah, c'est vrai, ils font ça, hein ? Oui, ils adorent le crochet, donc c'est pas ringard, hein, quand même, hein. Mais... parce qu'on a tendance à dire que c'est une pratique ringarde. Bah, oui, enfin, après, j'imagine que pour les hommes, c'est un peu... Oui, mais après, libre à chacun hein, de croire ouais. Ce qu'il pense aussi, hein. Donc en tout cas, voilà. Donc concernant maintenant le macramé, donc c'est Marine de Mécramé Création, qui vous propose un atelier, cette fois-ci, de 10h à midi et de 14h à 16h. Donc là, c'est toujours à l'Office du Tourisme du Grand Sud. Donc là, par contre, le tarif par personne, par session est de 1000 francs. Donc pour plus de renseignements, voilà, vous pourrez faire donc, des suspensions donc, décoratives et c'est passé vraiment un bon moment convivial et de partage. C'est magnifique, je trouve. La classe, effectivement. Voilà. Et donc, du coup, si vous voulez plus de renseignements, donc c'est le 460-625. 460-625. Donc c'est un bon moyen, je dirais, de joindre l'utile à l'agréable. Et puis, surtout, à 2 semaines de la fête des mères, donc si vous n'avez toujours pas trouvé de cadeau, eh bien je pense que ces ateliers donc, vous donneront des idées donc, pour des cadeaux donc, authentiques et originaux pour le grand bonheur donc, de vos mamans. Ok Steph, bah merci beaucoup de nous rappeler d'ailleurs la fête des mères, hein, à ne pas oublier. Est-ce que tu as encore une idée sortie du coup ? Tout à fait Mathieu. Alors pour les personnes qui sont soucieuses de leur bien-être et qui en plus adorent les produits faits maison ou alors qui sont curieuses et elles ont envie donc de se lancer, sachez que dès le vendredi 21 mai, donc la semaine prochaine de 16h à 17h30, mais également le samedi 22 mai de 9h30 à 12h30, donc un atelier cosmétique vous sera proposé donc au bocal donc VKP sur la commune donc de Conné. Vous pourrez fabriquer et repartir avec votre propre trousse de secours avec un gel petit bobo et anti bleu, un baume anti-piqûre et un soin anti-soleil et brûlure. Tout cela pour toute la famille, pour un montant bien sûr de 4900 francs par participant. Alors attention, les places sont limitées à 10 personnes, donc par atelier bien sûr. Donc si vous voulez plus de renseignements et vous inscrire, vous pouvez aller sur la page Facebook, donc au bocal VKP. Merci Steph pour toutes ces idées sorties. Et voilà, notre émission arrive à sa fin. N'oubliez pas que vous pouvez aller du côté de Vaud où se trouve le chapiteau. Et d'ici là, nous on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, passez un bon week-end.
sur Caledonia. Au revoir.